Tu vas rentrer en dedans. Et la place là, ça va resserrer Davis. Bon après-midi la famille, bon après-midi mon frère et sœur qui viennent venir pour témoigner de sympathie pour la famille qui est aujourd'hui identée. Oui, nous là, nous rassemblés autour de corps madame Machot, mamie, des présences fraternelles et amicales pour nous venir rendre dernier hommage et pour nous venir dire adieu de la foi. Mamie, quitte sa monde. Après un long pèlerinage, une longue vie, une bien vivre, une compte tout ça c'est pour qu'on est là à terre, hein? Mais il a allé en confiance pour aller rencontrer son Seigneur. Bien sûr, ma médecine paraît pour y aller, hein? Mais seulement un amour, un départ, et toujours un amour et un départ, et toujours une séparation. Alors même si nous avons la tristesse dans les cœurs, nous avons pu séparer avec lui, nous pouvons manquer lui beaucoup, bien sûr. Nous pouvons se mentir face, se mentir parole, hein? Qui donnait de temps en temps, mais nous avons aussi dans les cœurs action de grâce et remerciement pour son la vie. Okay? Pour sa madame qui tient était, sa madame fort, sa madame qui a une discipline, sa madame qui est en droite, la droite. Et tout ça là, nous remercions bon Dieu pour ça, pour son cœur, pour son bonté, pour tout ça qu'il fait. Comme nous, maman, nous, grand-maman, nous, belle-mère, voilà, et même nous, famille et amis. Alors, moi, vis autres pour nous garder mon silence devant son décor, en signe respect et affection, et imaginer tout ce qui était pour nous et tout ce qui était pour bon Seigneur, Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Madame Machot, mamie, qui nous a quittés, qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La croix va passer devant. Portrait aussi. C'est OK.
Du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne la plénitude, la paix et la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. La famille, mon frère et soeur, mes amis, voilà que nous faisons réunir ici dans la cathédrale pour nous dire sa dernière adieu, nous sommes défunts. Madame Machot, Madame Mémachot, Mamie. Oui, par mon Dieu, la main divine, m'amène vivre une longue la vie.
92 ans, je crois, sur 93 ans, bientôt. Et voilà, nous remercions Seigneur pour ça, l'amour, la vie qu'il vit. Pour tout ça qu'il donne, tout ça qu'il fait, tout ça sacrifice qu'il vit aussi. Et tout ça qu'il vient faire pour nous, comme son enfant, comme un six enfants, comme même la famille, comme une famille. Et nous remercions bon Dieu pour son la foi aussi, qui est solide, fort, toujours. Et il a dans sa même salle la foi. Il a tranquillement. Il s'est paré pour y aller. Sur ses mains ouvertes, demandées. Alors oui, parmi un moment de la tristesse, à quoi nous séparer avec lui. Et si là, nous sommes en lui, nous sommes en lui, nous habitons avec lui. Mais un jour, oui, nous tous, il arrive nos jours pour nous aller. Et ça jour, oui, nous avons besoin de dire adieu à ça du monde qui peut aller. Nous, maman, nous, grand-maman, nous, tantine, n'importe qui, relation familiale qui nous combat en un avec lui, nous sommes. Mais voilà, mais nous, le Seigneur, dans ce moment, qui met aussi l'arche de grâce dans les cœurs, pour nous remercier pour tout ce que Mme Mathieu, maman, a accompli dans son vie. Et nous sommes libres aussi pour nous donner nos courage, spécialement sur nos enfants, sur nos petits enfants, sur nos pros, sur nos amis, donne nous courage dans ce moment difficile. Et qui nous la foi, nous l'espérance, et grandit. C'est ça qui nous fait célébrer dimanche. Quoi qui nous fait célébrer dimanche? Je connais que nous nous célébrons dimanche, si nous chrétiens, nous fait célébrer Pâques, résurrection, sans même ça. Qui saisit, il connaît la mort pour nous. Il ressuscite pour nous, pour lui montrer nous l'amour bon Dieu et pour nous gagner sa nouvelle vie avec lui. Alors nous bandit pour lui donner nous la force et sa la force, sa l'espérance et sa confiance dans la vie bon Dieu, dans la résurrection. Alors, au commencement de sa service, je vais demander quatre membres de la famille pour monter ici et pour recevoir la bougie et pour aller me les autres la bougie pour ceux qui pourront savoir la bougie pour gagner aliment et siège pascal. Venez. Nous rallumons cette flamme près de Mamé, notre sœur. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire. Pour repartir de l'espérance. Présence à garçon, qui m'a dit son petit-enfant, soit aïe petit-enfant, à dépose la croix de Saint-Kéry. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de l'amour pour maman et pour chacun de nous. En nous venant les cœurs, Seigneur, en nous confier les nouvelles de la tristesse, nous avons le regret. Tel Paris, ça les disciples maïs qui aujourd'hui nous tendaient dans l'évangile. Le titre de la peine, le titre triste. Mais c'est dit, accompagne les autres nos semaines. Les autres reconnaissent les autres cassent du pain. Et nous aussi, nous reconnaissons Seigneur, là avec nous, présent avec nous. C'est ressuscité et nous demandons pour montrer nous son miséricorde. Kyrie eleison.
Les enfants, la famille, les proches de Mamé qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et tout de suite, nous pouvons écouter un témoignage. Mamé, Madame Machot, Madame Wilson, qui beaucoup de monde s'y connaît, ils quittent nous à l'âge 80. 12 ans et 10 mois. Il y a derrière 10 enfants qui sont encore vivants, 40 petits-enfants et sauté plus que 60 ailleurs petits-enfants. Mon compte jusqu'à compter fini. Mamé, il y a tout le temps, à peu près 2-3 ans passés, chaque fois qu'elle est malade un coup, tu crois pour mort. Tout le temps, dit, moi, Sylviane, elle est mort. Mon connu, mon parle devant là-bas, elle va le rabasser. Mamé ici, mamé là-bas, mamé ici, mamé là-bas. À cause de mon dit, mon parle, attendez, sorry, mamé. Pas garde le temps avant de mon qui vit mon enterrement, pas garde le temps mon père aussi. On dit, ok, mon papa dit, naïe. N'arrivé plusieurs fois. Chaque fois, l'enterrement, chaque fois, un message en bas du monde qui nous connaît, il dit moi ça. Mais janvier, ça l'en est là. On oublie, il y a quelqu'un aussi qui est mort, qui connaît, nous peut cause ça du monde. Il dit moi, hé, moi aussi, pas rester moi longtemps pour aller. Pas oublier, mon Dieu, pourquoi le rabâcher là-bas? Pourquoi le dire non, il y a le monde? On dit ok. Si vous parlez, mon dit non, rien. Mon papa dit non, rien. Ou pas dire un petit quelque chose, et puis vous dites merci. Mon Dieu, mais maman, dis-moi, qui est ce petit quelque chose que tu as pour toi, mon Dieu? Ah, c'est fatiguant, je suis même, les moi, mort. Mais sorry, maman, vraiment, 3-4 jours passés, mon petit connaît qui m'a pu venir dire. Mais là, mon assise, mon réfléchi, qui moi, comme mon premier enfant, j'ai gagné une quantité d'opportunités, une quantité de sens pour moi causer avec mon maman, comme un dessert, comme son fils. J'ai gagné une quantité de quelque chose dans la vie de maman, qui m'a croyé dans son enfant, dans ses enfants, qui ne connaît pas. Beaucoup nous connaissons maman, maman avant-hier, qui nous connaissons, et whatever. Mais maman, son histoire, c'est très, très, très intéressant. Les écouter, les raconter,
maman raconte-moi ça qui lit son maman qui raconte lui les petits. Combien de petits enfants qui connaissent vous dit maman y a d'igoise. Maman fille Teresa Waro et Léonel Irani. D'après maman, Teresa avec Léonel sont tellement amoureux qu'ils ont même été mariés. La raison c'est peut-être à cause Léonel lui il travaille dans l'île. Il est monté dans un bateau voilier, il emmène provision dans l'île et puis il prend tout. Si pour son salaire, voilà, avec son dans l'île, il descend avec Maé, qui 3-4 dix ans, il partit là. L'aimé, Léonel pas là. Et Teresa, il obligé avant 14 jours, faire des classes à petit petit, pour garder avec l'homme et l'olive. Ça l'état qui s'est dans 1930, imaginez. Et ça qui est intéressant, mais raconte-moi, il dit, là, ce moment, raconte-lui, là, Léonel, finalement, il arrive la digue, parce que la digue est plate, dans ce réunion là-bas, quand tu viens ou là-bas, il voit en bas, à côté de la case, il voit un petit baba débarqué, dans ce qui est un petit dans son lit. Il met son tu n'as pas ça qui dans son caisse d'ivoire qui t'amène son provision d'ici met à terre quand ils sont à la case il avance au bord de sa gabarque il regarde sa petit baba peut baver il regarde lui rire il montre son deux petits dents. Léonel est tellement rempli de la joie qu'il te fait redoubler Teresa il crie Teresa où est-ce qu'on est arrivé. Là, la Teresa est sortie dehors, je te causais, oui, ça au petit baba, whatever, whatever. Ça y est allé, 2 ans plus tard, Teresa a gagné l'autre enfant. Et cette fois-ci, Léonel est dans le pays, tu l'as dit, tu l'as. Un petit garçon qui a déclaré fier comme tout, résiste, non son papa, à cause, mais Léonie, non maman, Léonel. Alors il déclare son petit garçon, Léonel pareil, le deuxième nom, Irani pareil. Et ça a des enfants, même papa, même maman, qui sont tellement proches, un Héroaro, un Irani. Et maman dit, mon papa, les autres résidents, la guerre dit, oh petit maman, moi petit mon papa. À cause un Héroaro, un Irani, et ils sont tellement proches, jusqu'à l'année dernière, les résidents quittent nous. À l'âge 90 ans. Ce qui est intéressant, les regards derrière, pendant cette année 1935, les temps ont grandi, la vie n'est pas si facile. Pas si facile, et si là, Teresa avec sa deux petits petits, tu descends avec d'autres maillets, parce que Teresa, tout son bon serre, tu maillets ici, tu dis lui ou là-bas, ou tout seul, descend, il descend avec sa deux petits enfants. Il reste la Rianga, il grandit la Rianga, et puis Teresa, il a resté beau vallon. Il a resté beau vallon, et là il a resté beau vallon, parce qu'il est malade. Son soeur prend Régis, il emmène Pralin, qui résiste, il reste Pralin jusqu'à son dernier jour, et il m'emmène rester avec son maman Teresa. Mais ce qui est touchant, c'est qu'il en existe 10 ans et demi. Teresa, tu es malade, il t'y met l'école. Il dit, quoi, arrête à l'école, à cause du besoin de rester avec moi. Et Teresa, lui, il t'y fait mon travail domestique, quand sa madame, là, vins ici, dresse là-bas, des enfants, fait ça, ben quelque chose. Imaginez-nous, une petite fille, 10 ans et demi, il quitte l'école pour la prendre travail avec son maman. Paré nous dit, il y a un training on the job, l'état est là-bas. Et Teresa, c'est madame qui est tout le temps un peu maladif. Il y en a des fois, il dit, moi, il rappelle, il a 14 ans, maman est malade, il a besoin, elle remplace lui. Dans un petit ouvrage, contre madame Intel, contre l'autre madame Intel, contre l'autre madame Intel. Et, donc, il y en a à peu près 16 ans, mais il y en a à peu près 16 ans, il dit avec moi, il y a une famille quand il travaille, il fait l'ouvrage là-bas. Son maman, tout ça, allait avec Teresa. Dans sa famille, il y a un garçon qui avait prévu un homme plus vieux qu'il est et deux les autres petits-enfants.
Il dit, moi, bon, ça, madame, tu es bien content, tu es content, Teresa, tout quelque chose correct. Présent, il dit, moi, je ne connais pas si à cause Teresa, tu es femme blanche, les yeux bleus blondes. Ça, madame aussi, comme si un nécessaire qui te occupe Teresa bien, tu occupes lui bien sans problème. Et, qui t'est arrivé là-bas, mais, tu as tombé amoureux avec sa garçon là-bas. Et tu son secret. Il dit, moi, Sylviane, ça, tu nous secret. Raymond dit, ou pas cause ça, mais pas cause ça. Teresa, tu connais. Les autres marques, vous dites, mais, il est enceinte. Tout le monde peut demander, mais il est enceinte, mais n'a pas aucun boyfriend. Mais il y a un travail, il retourne côté avec son maman. Présent, c'est un cas de commotion. Quand c'est chez lui, rimer. Quand même, d'un beau valon, ça l'est, tu n'as pas quand tu es dimanche, mais un peu rimer, rimer. C'est une autre famille, Bellon, qui est très active, fréquente, qui est très amie avec l'autre. C'est dans trois garçons là-bas. Sylvain et les autres. Comment j'ai-tu fréquenté? Tu veux regarder comment ça amie, comment ça amie, comme si c'est une grande ensemble avec ses 20 enfants. Là, il y a travail, avant qu'il quitte le travail, il sentit l'émotion dans sa famille. Parce que Dimon peut dire, monsieur, il n'est pas bien, la mère travaille là, mais il est enceinte, ainsi de suite. Son garçon, il dit que lui, pas fait ta part, je peux arrêter pour les autres contents. Papa est innocent, il n'y a rien pour faire papa. Présente Teresa, l'aime, mais il y a son petit fille, il appelle Sylviane à cause pour dire sa commotion dans sa famille, pour dire besoin Sylvain, papa, il appelle Sylviane. Il montre comme si longtemps, quelle quantité, quelque chose qui t'y passait, des histoires qui t'y passaient, à cause de mon petit solidaire, un peu, mon pour protéger une réputation, ouais, à cause du travail, mon travail pour tout, mon protéger une réputation, et puis, une autre famille qui est pépette-bête, un homme Sylvain, pépette-bête, Sylvain va nous comprendre ce qui peut passer. Anyway, ça, il continue, mon monde grandit avec mon maman, il gagne l'autre enfant, Carl, il gagne l'autre enfant, et un beau jour, il joint sa jeune homme, Wilson Machot, un garçon, mon bixon, qui a travaillé dans boulanger, Bellon, boulanger, Beauvalon, côte à Seng. Zotin fréquenté, et dit un beau jour, Wilson, il décide, comme si pour venir rester avec moi, et accepter ça, les enfants, comme son enfant. Et depuis ça, l'état, et puis nous move Saint-Louis, moi, je reste avec mon grand-maman. Moi, je reste avec mon grand-maman, maman avec Wilson et move Saint-Louis, et puis on tient les autres enfants. Mais moi, à cause, je reste avec mon grand-maman qui est mon maman. Mère, c'est mon maman. Et chaque fois, mal contre maman, on dit lui, mais à cause, mon grand-maman, il dit lui, mais il n'est pas content du tout. Juste un beau jour, il dit, maman m'a élevé, c'est un beau jour. Mon dit, bonjour maman. Il dit, ça oui, là on peut comprendre. Mon bien content, on l'est tout le temps. Il donne un big hug. Il dit, maman, où l'est-ce dit, maman, mais à cause de ça, il est plus respectable, mon maman, on plus content. Et qui n'arrivait après, jusqu'à aujourd'hui, tout dit, moi, il connaît les maman. Tous les autres enfants qui viennent après, il y en a qui commencent à dire, maman, maman. Tout ça donne blé, maman, maman, et maman. Et si vous passez au sky, aujourd'hui, vous demandez dimanche, côté madame Macho, tu restes, personne ne va vous connaître. Si vous dites côté maman, restez. Vous pouvez montrer où côté il reste. Sans histoire, maman. Et puis, il continue son la vie jusqu'à un beau jour dans 67, un samedi beau matin, Mick Wilson, il décide pour marier ici dans la cathédrale. J'ai béni notre mariage, bien, fini. Et ma mère après, il dit, où, là, je suis rentré dans la religion. Là, je suis capable d'entrer, venir aider mon église,
qui est entré dans Caritas, dans la famille, et tu as un groupe de madame, c'est tout bon teachers, beaucoup de pasteurs oui, là maintenant, qui tu fais un petit travail avec lui. Les pour prendre le carême, les pour faire avant pour au-delà, pour Caritas, nous gagnons mêlés, l'autre mêlé. Et comment ton Wilson, tu travailles pour lancer, croquant, ça nous manque pour le gâteau, you name it, nous vivons la farine. Voilà. Et tout ça là, tiens, on a pour mettre pour Caritas, mettre famille, et maman pour lui, ça l'étend. Il dit, oui, il découvre son la Vierge, il découvre son bon Dieu. Il a besoin, comme si, respirer un peu, son la vie, il change. Et là, Wilson, Wilson est mort, ici la Montbuxon. Après ça, il a décidé, pour lui, tellement aventuré. Il dit, tu es au Canada aussi, tu as dit que là-bas, quand même, il dit, tu travailles en balade, tu as un travail, whatever. Il s'est allé, il n'est pas trop content. Après à peu près 3 ans, il retourne. Là, il retourne Montbuxon, après, il a Roche-Caïman. Et là, après ça, les temps, nous tous nous grands, nous tous nous assez indépendants. Et mon mère gagne la joie et gagne l'envie de promener. Si un jour, mon dieu, mon mère, c'est cher, je peux donner un good deal là, Paul Maurice. Sylvia, nous entendez? Marie, vous entendez? Jean-Dé, vous entendez? L'autre, vous entendez? Il dit tout le temps pareil, il dit, Lola, moi, il a un petit valise avec son pullover. Il dit, pareil, anytime pour le travel. Il allait plusieurs pays, Singapour, you name it, il allait. Mais son endroit qui m'emmène plus content, c'est là, il a le pèlerinage, Lourdes et Côte-Fatima. Il était tellement content, il touche lui, qu'il est retourné, il a emmené s'appeler 1,50 m longueur. Si on me dit, mais si on met dans le coup, la croix qui touche à terre, il dit, ou pas interférer, je connais comment vous faire avec. Ça, Eli, après, avec Serge, les autres pour faire la grotte. Si on a le côté de la case, on a la grotte, côté de son grand, ça s'appelait 1,50 m, avec son la Vierge, pour lui, son la Vierge, c'est important. L'année passée, il est mon téléphone, nous, pour nous dire qu'il reste au téléphone des minutes à 40 minutes. Sylviane, mon besoin quand tout ça rêve. Je dis, mon bébé, mon câble, mais là, moi, descend l'an passé. Ok, sûrement, je vais faire mon imaginaire. Il rêvait. Il mort, il montait, il est péron, il dit mon plus que 60 et quelques mars. Il arrive la moitié. Par exemple, si il monte plus haut, il dit au fond, comme si dans le bout de sa bonne péron, il y a un joli jardin, quantité de fleurs. Par exemple, il arrive, il débouté un coup, il dit il y a un tampon pour mon grimper. Il dit madame, il touche lui. Il dit mais retournez. Il dit, regarde, ça va être perron pour une montée, il propre. Ça va être perron qui devant, oui, encore sale. Ou besoin de nettoyer. Tout ça va être perron, et puis on est capable de venir. Pourquoi? On dit, un message, ça. Il dit, peut-être, oui. Novembre l'année passée, on appelle ça un rêve, on dit, à tout le monde rêve encore. On dit, vraiment, mais oui. Forcé s'il restait 3 ou bien 4 mars pour moi nettoyer. Oui, ça m'en riait. On dit au travail, il dit prends ça au sérieux. À cause de mon père pour moi aller. Et c'est moi juste 3 ou 4 mars pour moi nettoyer. Il passe moi jusqu'à tes petits frissons. On dit, anyway, moi, pas tracasse ça. Non, à voir, pas tracasser. Et vrai, depuis janvier jusqu'à mars, peut-être c'est tout qui est bon pour nettoyer 4 mars, espérons. Et m'en met parmi tout bon jour et pour quitter nous jeudi saint. Pour moi, comme si c'était un jour spécial, c'est tellement spécial que nous, maman, et quitte nous jeudi saint. Avant moi, on me dit un petit merci, il y a un peu message qui est gagné, qui nous peut faire lire. Message from Denise Ostenberg in the UK. May was my oldest friend from childhood until the end. I will miss her and think of her often. I am so grateful to have known her. She is always in my heart. She was kind,
understanding, loving, and generous with everything that she was. She was more than a friend and became family. She was like a sister to me. The last time we spoke, May told me of a dream she had had. Our Lady visited her and showed her the way. She told me she knew where she was going. I have faith that she is resting in peace. God be with her until we meet again. Denise, rest in peace, Mommy. We love you. From Daniela, Christina, and Annette. The second one, message from Danny in England. Dear Mommy, sorry we could not be with you today. You will always be in our hearts. Rest in peace, dearest Mommy. Love, Danny, Sam, and Veve. Message from Lisette in Guernsey. Poem, Words for Mommy, by Donaz Ashworth. When I go, don't learn to live without me. Just learn to live with my love in a different way. And if you need to see me, close your eyes or look in your shadow when the sun shines. I am here. Sit with me in the quiet, and you will know that I did not leave. There is no living when a soul is blended with another. When I go, don't learn to live without me. Just learn to look for me in the moment. I will be there. With love and prayers from granddaughter Lisette and her family. May you rest in peace, Mommy. Nous avons un petit poème qui m'a poulé au nom de nous tous, which is The Broken Train. We little knew that morning that God was going to call your name. In life, we loved you dearly. In death, we do the same. It broke our hearts to lose you. You did not go alone. For a part of us went with you the day God called you home. You left us peaceful memories. Your love is still our guide. And though we cannot see you, you are always at our side. Our family chain is broken, and nothing seems the same. But as God calls us one by one, the chain will link again. Honor la famille, mon le remercie tout du monde qui est présent aujourd'hui, et tout bon aussi, surtout mon petits enfants, qui aide nous aussi les temps de l'hôpital et qui vient voir lui, et aussi tous nos bons amis aussi qui passent prochainement côté lui, tous nos bons du monde qui nous contactent lui, qui nous voient lui, qui nous téléphonent lui. Il y a un gros merci. Et mon connaissement, bien de là, il est strict, il est cause. Il partit par un autre, il partit mettre de l'eau dans son divin, s'il n'est pas content quelque chose, il dit où. Si on n'a pas mis nous, même nos bons enfants, qui parfois m'en met une cause un petit peu trop, comme si on feel hurt, pardonne-le, à cause this was mommy for you. Et si l'on est de là, il dit, à cause mommy, tu comptes nous tout pareil, mais seulement certaines sont talents. Si mommy dit, maman, demandez-t-il pour check ça pour maman, dit, mais tu l'as hier, autant dit, moi, pour qu'on est là-dedans, et tel qui connaît. Certaines nous, mommy, tu vois nous d'après nos talents, d'après ça que nous sommes capables de faire. Et nous toujours sommes petits garçons, sommes petites filles.
oublié qu'un délai nous aussi nous parents aujourd'hui but this was mommy for you comprends il traite nous délai au petit fils ou à faire ça ou à faire ça this was mommy for you et si nous feel hurt n'importe quoi que maman dit nous que maman fait juste aujourd'hui nous peut prier pour son âme nous juste pardonne lui à cause de aussi quand il y a quelque chose que nous fait moi tirer il pardonne moi il pardonne nous tout mon pour dire merci ça monsieur la chorale et son équipe. Et un gros merci aussi pour Père Alcindor. Père Alcindor, le temps est dans la liste. Mon gars a demandé, mon besoin de mon Père Alcindor. Mon père, une fois, m'a dit, mais qui est arrivé sur moi, Père Alcindor? Alors, de l'écouter, tu as dit, il m'a mis mort. Faudrait, ou tu es content de faire son enterrement. Mon père, merci pour là aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup. Et moi, sûr, il aussi apprécié. Goodbye, mamie. Merci. Écoute lecture. Lecture du livre des Proverbes. Une femme de caractère, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que des perles. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses servants. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Avec les fruits de son travail, elle plante sa vigne.
Elle serre vigoureusement ses reins et déploie la force de ses bras. Elle considère que ses affaires vont bien et sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Force et bonheur la revêtent. Elle pense à l'avenir en riant. Elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue fait gentiment sa leçon. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas paresseusement son pain. Ses fils hautement la proclament bienheureuse et son mari fait son éloge. Bien des femmes ont fait prévu de caractère, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit féliciter. Accorde-lui une part du produit de ses mains et qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Seigneur, ils ont parlé pour nous.
n'y a pas d'écoute pour l'évangile. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. C'est un homme dans Jérusalem qui s'appelle Siméon. Il y a un homme 6 qui tient un respect au Seigneur. Il espère consolation pour Israël. Et l'Esprit Saint tient avec lui. L'Esprit Saint, c'est une fête qui connaît, qui n'est pas pour mort, avant qu'il y ait un Messie, qui Seigneur, c'est une promette. Sazou, dirigé par l'Esprit, Siméon, t'y entré dans le temple. Quand parents hésitent, t'y amènent son enfant dans le temple, pour faire ce que la loi t'y demandait, Siméon, t'y prend lui dans son bras, et loué bon Dieu. Et t'y dit, Seigneur, à présent, laisse-moi au serviteur quitte la terre en paix d'après aux paroles. En effet, mon lisier noir ou délivrance qu'on préparait devant tout bon peuple, et la lumière pour éclairer bonne nation, et la gloire au peuple Israël. Papa et maman Zézi, tu es étonné, les autres t'y entendent sa bonne parole que Siméon t'y dit, le Zézi. Siméon t'y bénissant. Après, il dit avec Marie, sa petite-enfant a gagné choisir pour abaisser et relever beaucoup de monde dans Israël. Il pour ainsi contradiction. Ainsi, ça qui peut passer dans lesquels beaucoup de monde va gagner révélé. Quant à Marie, elle est paix pour transfert sur tous les quais. Tu en as aussi une prophétesse qui s'appelle Anne, fille Faniel. Sorti d'un tribu Aser. Il est très vieux. Il est vive avec son mari 6 pour 7 ans. Il est resté vivre. Aser 84 ans, il passe qu'il tombe. Il continue à servir bon Dieu, les jours comme un soir. Il saignait et priait. Dans ce même moment, Anne est arrivé. Il commence à louer bon Dieu et cause de ses enfants. Avec tout bon qui te espère délivrance, Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous venons dire à Dieu de la foi. Madame Mathieu, maman, va nous dire avant, maman vit un long parcours sur la terre, un long pèlerinage. Et présent ce moment arrivé pour y aller. Et il a allé dans la paix. Oui, son fils Sylviane, il donne un témoignage de son vie, depuis de son enfance, depuis même avant son naissance. D'histoire à son maman, son papa, quand il y a eu 6 semaines, la digue, et suite. Et il y en a beaucoup d'autres qui comptent tout ça.
Par exemple, Sylvia Lindy, ben des enfants, ben petits enfants. Peut-être parce qu'on est. Et là, on a une naissance qu'on est, n'est-ce pas? Et Sylvia Lindy venait préparer M. Machot. M. Machot, M. Tony, défunt, M. Tony Machot. Raconte-nous sa histoire, de son détail, sans aucun papier. Mais voilà, madame, maman, il vivait la vie bien remplie. Il vivait la vie bien remplie. Il est madame fort, il est madame caractère, par exemple, tu me dis, de sa première lecture. Caractère est à cause, il est fort, de sa qualité, de son, sa personnalité, de son principe. Il tient dit mon droite. Et si vous voulez quelque chose pour dire, il peut dire. Il ne peut pas casser. Il peut dire. Mais au cas content, peut-être pas content aussi, mais pour dire, à cause de comme ça. C'est bien dit, ils savent très bien. Mais là où bien qu'on lit, là où on habite avec lui, on comprend lui. Peut-être que si vous pas trop bien comprendre lui, vous risquez mal prendre. Mais c'est comme ça. Il prend. C'est dit mon franc. On va apprécier, on dit mon comme ça, moi. Dit mon franc. Pas bon dit mon qui peut être à cause derrière, qui devant, ou qui est assis et manier. Après, c'est comment il tourne, il est d'eau, il cadasse sous. Non. Il cause franc. Mais en même temps, il n'a pas de rancune avec personne. Il bien avec tout le monde. Pareil, nous connaissons. Maman, si bien, avec tout le monde, c'est un monde généré, et un bon liqueur, par une conduite. Bien. Bien. Et voilà, il ne vivait pas pour risque, risque en humanité, il ne vivait pas pour risque de la foi aussi. À cause, maman, il y a des gens qui ont toujours on a la foi. Et la Vierge Marie, Sylvia l'a dit, mais la Vierge Marie, il aide-lui dans son la foi. À cause de sa rôle que la Vierge y souhait. La Vierge va prendre nous pour lui. La Vierge y aide nous toujours pour mettre nous plus proches avec les cœurs son garçon. Avec les cœurs bon Dieu. Par lui-même, il est content de son garçon. Et il en a la foi de bon Dieu, toujours servi bon Dieu. Il voulait qu'il nous aussi nous faire pareil. Alors là, nous, on a une dévotion envers la Vierge. Il très bien. À cause de la Vierge y aide nous pour nous venir plus proches avec ses écrits. La Vierge paraît-il, non, c'est écrit, non, non, non. Et là, c'est des chrétiens qui disent, oui, vous acceptez ces écrits, on peut accepter la Vierge. Mais au contraire, si tu acceptes la Vierge, il faut faire une plus proche de ces écrits. Mais, c'est Mme Machot, une découverte sans. Et la Vierge n'est grande place dans son la vie. On ne peut pas connaître si nous nous prenons à la Vierge de sa programme. Ah oui, 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 oui. Oh ma mère, comme tu es belle, là. Hein? Nous méritons pour sa chanson. Mais, Madame Machot, oui, mamie, mon gars, c'est ce qu'on lit, un pétard de son avis. Et, on apprécie beaucoup ça qui y était. Moi aussi, mon gars, c'est une des bonnes histoires qu'il racontait. Hein? Il y a une bonne histoire qui est vraiment tout ça. Hein? Il raconte de son façon, mais une bonne histoire tout ça. Mais ma vie, nous, parce qu'il nous l'a fait son avis. À cause s'il y a une cause entière, sur la vie, sur le parcours, les chocos forts, les chocos zen, les tibariers, et suite, suite. Mais elle a fait son avis. Maman, elle comprend qui sont les temps qui peuvent approcher. Elle s'y comprend ça. Même de sa bonne rêve qui ne rend rien, je crois qu'il y a un signe de sa bonne rêve qui ne gagne mes sens, qui peut dire, mais voilà, pour les temps qui approcher. Et. Maman ne prépare pas pour ça. Il ne prépare pas pour ça. Il en avait confiance. Il venait préparer Siméon qui m'a dit dans l'évangile, sa bonhomme, sa vieillard, sa prophète, qui s'y remercie mon Dieu et dit que mon Dieu, merci beaucoup Seigneur, à cause de me permettre moi, malgré mon grand âge, voir ou promesse, la promesse qu'on fait avec nous, au peuple. On permet moi, wa Seigneur. On permet moi, wa Messie. On permet moi, wa Sauveur. On permet moi, lumière, la lumière des mondes. Mais maman aussi, c'est pareil. Il a allé avec sa confiance. À quoi par sur la foi, il compte ses écrits. Il compte pas compte ses écrits personnellement,
physiquement, comme si nous avons Jésus-Christ, non. Mais contre Jésus-Christ, par la foi. Nous tous croyons, nous tous chrétiens, nous contre Jésus-Christ, par la foi. Ça veut dire Jésus-Christ comme ça devant nous. Non. Mais nous contre lui par la foi. Mais c'est en même temps, même que nous contre Jésus-Christ par la foi, nous allons, Jésus-Christ permet nous aller dans les autres. Dans nos bons frères, nos bonnes sœurs, hein? Oui. Oui, Jésus-Christ permet nous aller dans nos bons frères, dans nos bonnes sœurs. Et voilà, à cause, Jésus-Christ est mort pour nous tous. Et l'imam, il comprend ça très bien. Et il met son la foi dans Jésus-Christ, il met son confiance dans Jésus-Christ, il met son dévotion dans la vieille. Et bien, s'il croit dans mon petit papa. Et mamie, il quitte sa monde dans la paix. Il a allé. Mais il a allé, même avant d'y aller, on a eu sens causer un petit peu avec lui. Mais voilà, il fait mon comprendre qu'il paraît son moment, puis après aussi. Et puis aller. Il y a la confiance de mon Dieu. Et ça, est la grâce. Moi, il a eu sa grande la grâce qui n'est pas allé avec la paix, il n'est pas allé avec l'inquiétude, mais il a allé de confiance. Il a continué à aller, il ne va pas pouvoir aller ici, mais il a de la paix. Il peut rester en paix, il continue à aller. Alors, nous disons merci, mamie, pour tout ce qu'on fait, pour tout ça l'amour qu'on donne. Ou tu es strict, oui, ou tu es strict, mais tu es strict avec l'amour. Tu es strict. Mais moi, j'apprécie beaucoup les moments de parents qui sont un peu stricts. Faudrait parents stricts, parents qui trop mou, parents qui laissent son enfant faire ça qui a envie, il paye bon parent, des mains pour égoïter lui-même. Ouais. Et parents qui strict, est bon parent, et strict avec l'amour, avec l'amour. Pas avec les sous-enfants faire ça qui a envie, ou besoin de guide-lui. Et c'est ça, mamie, ici, qu'il y a des gens pareil. Alors, merci pour tout ça qu'il fait, des bons. Généreux envers son bon enfant, son bon petit enfant, son bon membre de sa famille, son bon ami. Et nous remercions aussi pour tout ce qu'il finit de faire dans l'église, comment est paroissé, comment est baptisé, tout son engagement qui en a aussi dans différents mouvements de l'église, de Caritas, mais de famille, tout ça, qui fait partie. Alors, nous dit, mamie, repose en paix, bien sûr, continue à aller là-bas. Continuez à rencontrer la vieille, à rencontrer celle-ci. Et continuez à veiller pour nous. Continuez à prier pour nous ici-bas. Qui nous aussi, les namas et nous la foi, il y avait un esprit nous, pour nous aussi, vivre nous la foi solide. Et que la confiance envers mon Dieu. Amen. C'est un petit que souvent billet dit, c'est ça, mamie, c'est un grand sens limon. Un grand sens limon. Mais seulement, il faut comprendre son limon. Il faut comprendre son limon. Mes amis, n'avez pas des bouts de présent pour nous exprimer la prière universelle. Ressuscité l'accueil dans son paradis
et la reçoit dans la gloire de son Père. Ensemble, prions. Prions pour tous ceux qui ont connu May pendant sa vie et qui ont partagé ses joies, ses peines et ses prières. Ensemble, prions. Listen to ses amis, afin que Dieu leur accorde la force de supporter et d'accepter cette séparation avec un regard de foi et d'espérance. Ensemble, prions. Children, great-grandchildren, and family friends residing in UK, Mauritius, and Australia, may they manifest their solidarity for me through their prayers and faith in Jesus, who is the way, the truth, and eternal life. Let us pray. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur, des vivants et des morts. Demandons à Dieu de nous faire découvrir en l'Église la joie de résurrection. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et viens répondre à nos prières. Nous te le demandons à toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Nous pas baptisés. Oh.
Pour nous continuer la prière. Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir, mamie. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ, ta chair et ton esprit, saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains, notre Père, plus douce que nous-mêmes, plus forte que la terre, nous allons déposer ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par l'amour. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, qui sait toute tristesse, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dit par Jésus, la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre le cœur entre les mains de notre Père? On va dire ensemble, c'est la prière qui saisit et montrez-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Mamie, si tu dormis de la paix du Christ, confions-la à l'amour de Dieu notre Père, de la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur, au repas de l'Eucharistie, pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, spécialement pour ses enfants, ses proches, sa famille. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec mamie à la rencontre du Christ, quand il viendra de la gloire, lui qui est notre vie. À présent, nous allons bénir, nous allons encenser sur les corps et bénir sur les corps.
Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de notre foi, je bénis son corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vieille incantité. À le tourne vers la vieille, demande par qui la mamie, là où le royaume son garçon, et pour prier pour bonne qui ne quitte derrière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. On nous priait. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur Mamie, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Mamie a reçu de toi en cette vie. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter.
ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Marmée auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ce service. Premièrement, je voulais dire mon sincère condoléance à ce bon enfant, bon petits enfants, même la famille, bon pros. Et aussi, que mon Dieu donne le courage, la paix dans ce moment difficile. Et merci tout le monde qui nous est ensemble, pour prier ensemble avec sa famille, que la paix nous ait dit. Vous êtes montré votre solidarité, vous êtes sympathisé avec la famille. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors nous prenons un dernier chant. Reason.
Hallelujah, bye.